accord. A quick revision of the nationalities and the countries both. Sava. Okay, Alia, how do we say India in French? Comme or the India or France? Shlok, comme, quelle est la nationalité pour les personnes qui sont qui habitent en Inde? Pour masculin, c'est Indien, et pour féminin, c'est Indienne. Oui, Alia, how are you going to say I am Indian? Je suis Indienne. Très bien. Okay, Alia, c'est pour toi. What is Germany in French? L'Allemagne. Allemagne. Whenever we have G and N together, Allemagne. Ça va? Allemagne. Shlo, quelle est la nationalité pour les personnes qui habitent en Allemagne? C'est un peu similaire d'Allemagne. Ok. Nous remplaçons GN avec la lettre D. Alors, it becomes A-L-L-I-M-A-N-D. Allemande. Allemande. In the country, quand nous parlons le pays, the country, nous disons Allemagne. And when we change it to the nationality, it becomes Allemand, Allemande. Ça va? Allemand. Okay. Shlo, Alia, comment on dit Italy en français? L'Italie. Shlo, quelle est la nationalité? Italien. Italia, italienne, c'est comme andienne. Oui. Ok. Alia, comment on dit la personne qui habite en France? Fossé. Fossé, c'est masculin. Quelle est la forme féminine? Fossé. Très bien. Ok, Shlok. Oui. Comment on dit Switzerland in French? Suisse. Et la nationalité c'est même ou c'est, la nationalité change? Qu'est-ce que tu penses? Change. Ah, ok. Si ça change, quelle est la nationalité? Non, il ne change pas, ok? La personne qui habite en Suisse, il sont Suisse. Oui. S-U-I-S-S-E is the nationality, is the name. S-U-I-S-S-E is the nationality. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Ok. Alia, comment on dit Japan en français? Japon. Shlo, quelle est la nationalité masculine? Japonais. Et Alia, quelle est la nationalité féminine? Japonaise. Andien, français, japonaise. Oui. Alia, comment on dit Canada? Oui. Je ne sais pas la prononciation. Alia, dit changes to the. Oui, Canada. Canada. Shlo, quelle est la nationalité? Canadienne. Très bien, both of you. Ok. Alia, comment on dit Spain? Oh, je ne sais pas. Oui. L'Espagne. GN, no? GN is like, l'Espagne. Shlo, quelle est la nationalité? Espagnol. Ça va. Alia, comment on dit... Comment nous appelons les personnes qui habitent en Chine? Qu'est-ce que c'est Chine? Au féminin, c'est chinoise. Très bien. Masculin, c'est chinois. Très bien. Et Chine est? Chine c'est? China. Oui.
D'accord, d'accord. Ok. Shlok, Como or the England? England, Angleterre. Angleterre. E shlok, quelle est la nationalité masculin? Anglais. Alia, quelle est la nationalité féminin? Anglaise. Oui, oui, très bien, très bien. Comment nous appelons les personnes qui habitent en Amérique? Américain. Oui, we extend the sound. D'accord. You both practice really well. I did. Oui, c'est visible, Shlok. Alia, what is Belgique? Belgium. Je dis les deux. Anglais, français. Alia, comment on dit Belgium? Belgique. Shlok, quelle est la nationalité? Belgique. Ok, Belge. Oui, c'est Belge. Même. Because Belge masculin ends with E, so the feminine also ends with E. Belge. D'accord. Oui. Ok, maintenant, je vais dire le pays en français et vous allez dire le pays en anglais. Ça va? D'accord. Ok, la première, c'est très, très, très facile. La France. France. D'accord. La Suède. Sweden. Oui, Alia. Alia, it's la Swiss. D'accord. I'm getting a little confused with Swiss. Okay. La Mexique. Mexico. Oui. Ça va. La Russie. Russia. L'Australie. Australia. L'Australien. That's the nationality. D'accord. Ok. L'Arabie Saoudite. Saudi Arabia. Très bien. Very good, both of you. You did the advice very well. Très bien. C'est fini. Oui, c'est très bien.